Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'outil de sélection d'objets. C'est un nouvel outil qui a été intégré dans Photoshop 2020. Donc ici, j'ai mon image. Je vais sélectionner mon image et je vais faire un glisser-déposer sur Photoshop. Donc voici l'outil. Ça s'appelle l'outil de sélection d'objets. Donc je vais sélectionner cet outil. Alors, lorsqu'on sélectionne l'outil, on a cette barre d'options qui s'affiche. Voilà. Et ici, on a deux possibilités. On peut utiliser l'outil en mode rectangle ou en mode lasso. Alors, moi, je vais opter pour le mode rectangle. Avec l'outil, on a la possibilité de sélectionner des éléments sur notre image. Ici, moi, je vais sélectionner les trois personnes. Donc, actuellement, je suis en mode rectangle. Je vais venir dessiner un rectangle pour sélectionner la première personne. Vous avez vu le résultat? Ensuite, je vais faire un deuxième rectangle pour sélectionner la personne au milieu. Et là, je vais faire un troisième rectangle pour sélectionner la troisième personne. Donc, voici à peu près le résultat. Mais là, il y a quelques petites imperfections, c'est normal, hein? Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer en mode lasso pour venir corriger ces imperfections. Alors, je vais maintenir la touche Shift pour dire à Photoshop de prendre en compte cette partie. Là également, on voit qu'il y a cette imperfection à corriger. Donc, je vais maintenir Alt. Vous voyez, lorsque je maintiens la touche Alt, il y a un moins au niveau de mon curseur. Donc, ici, je vais sélectionner cet endroit. Ici également. Toujours en maintenant Alt, je sélectionne. Ici également. Là, par contre, je vais basculer sur Shift pour dire à Photoshop de prendre en compte cette partie. Et là, je vais maintenir Alt pour dire à Photoshop de ne pas prendre en compte cette partie. Là, je bascule sur Shift. C'est super. Donc ici, j'ai un résultat plus ou moins satisfaisant. L'idée, c'était de vous montrer qu'il y avait un nouvel outil comme ça sur Photoshop 2020. Et là, je peux venir faire un clic droit, calque par copier, et admirer le résultat. Voilà, on a un résultat plus ou moins satisfaisant. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner sur la chaîne et à partager. Merci.